Ah oui, j'avais oublié. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de South Park. Donc, nous en étions au moment où nous devions rentrer ici, mais nous ne pouvions pas parce qu'il me fallait acheter des crevettes City ultra épicées et trouver le pisse à vieilli sur le toit de Skeeter. Alors, Skeeter, que je me souvienne. Skeeter, c'est lequel bâtiment ? De mémoire, c'est un de ces bâtiments-là. Mais je ne me rappelle plus trop. Qu'est-ce que je cherche là ? Je cherche... Où est-ce que je pourrais trouver potentiellement les crevettes ? Mais je pense que... Ouais, ça va être par là en fait. Ouais, c'est ça, ça va être là. Achète les crevettes ici. Ouais, voilà. Achète les crevettes. Et ici... Bon, on va bien voir. On va bien voir. On va y aller directement à droite. On va pas chercher trop longtemps. On va pas trop planifier ces choses-là. Ah, il continue à parler, d'accord, ok, bon. Non, tes 400 de puissance, je les ai pas. Ça sert strictement à rien de perdre mon temps. Ah. Marche pas. Ok, comment suis-je censé atteindre cet endroit? Non. Oh, sympa le bonnet. Sympa le bonnet. Bon bah du coup on fait 40 km à pied, ça use. 40 km à pied, ça use les souliers. Mais ça n'use pas la langue du Marcus. Mais ça n'use pas la langue des viewers. Ce qui est un peu bizarre dit comme ça. South Park could use some more female heroes. Oh mais on en a une de très très bien. Au moins une de très très bien. Parce que bon, les filles du raisin, le problème c'est qu'elles baissent le niveau des restes. Hein. Des autres, pardon. Des restes, ça ne veut rien dire. Non, je fouille. Ah bah voilà, c'était tout simplement ici. Voilà, là on a le strip club et donc là on peut passer. Il y a un truc. Aha. Oh. Oh, je sais quoi faire. Boum. Logique. C'était très logique. Tenue 4D, lunettes 4D. D'accord, ok. Ah, Tibania. Boum. On remonte dans le temps. Apparemment, il y a moyen de faire un truc. Juste derrière ce véhicule. Je ne sais pas comment faire, j'imagine qu'il va me falloir un coup de main. Littéralement. Hop, on est bon. Crunchy's Micro Brew. Je me rappelle pas de cet endroit là. Oh, cinématique. Oh, oh. Excuse-moi. Did you or did you not say that this man seemed tired? Yes, he's my friend. I said, Paolo, you look tired. Microaggression! Persons of Hispanic backgrounds have been stereotyped as being sleepy, and saying they look tired is a microaggression that will not stand! But I am tired. You! You're the new kid, right? I'm the principal of your school. My name is PC Principal. I was told you wanted to talk to me about some race issues. Okay, come at me. Ah ouais! C'est comme ça qu'il éduque les enfants! Why not? Come on, you want to learn about race, right? Give me your best shot. It's a nice day, isn't it? What's wrong with Fash. You? You can't just attack for no reason. Try again. It's a nice day, isn't it? What's wrong with you? You can't just attack for no reason. Try again. What? It's a nice day, isn't it? What's wrong? Oh bah, j'imagine que je suis censé laisser passer. Try again. Oui, c'est une belle journée, effectivement. Yes, very good. That was indeed not a microaggression. All right, round two. I ate a hamburger last week. All right, that was also not a microaggression. Voilà, on a intérêt à tenir prêt. Microaggression, and you will see how it gives you a free shot. All right, everybody, listen up.
I'm about to use a microaggression, but it's only for the use of training this young person in the ways of the social justice warrior. Thank you, microaggression. About to happen. Thank you. My friend Brian looks like a chick. Microaggression. Hit him. Boof! Not bad, kid. Not bad at all. Not only is the word chick derogatory to females, but also criticizing a male for looking feminine is a microaggression towards a person of transgender. Now let's see if you can spot a microaggression that's more subtle. My pants are warm. My pants are warm. Non. Ça n'est pas une. That bien joué. Belongs to Tim Sherman. Non plus. I heard it's going to rain. Ça n'est pas une microaggression. Janet likes to roller skate. Ça va. Mr. Yamashiro is actually a very good driver. Microaggression. Hit him. Je l'ai pas senti, mais why not? Explique-moi. Using the term actually inferred that maybe other Asian Americans are not good drivers. Oh la vache. Ah oui, c'est vrai, c'est chercher loin. Now before we talk about your race, I need you to get out there and do some PC work for me. I'll let you know when I think you're ready. OK, bon bah vendu si tu veux hein. C'est tendu du slip là, un certificat de guerrier de la justice sociale, objet clé. Oh, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Alors, la suite. Bonjour. Bonjour. Have you seen my cat? Non. Ouais, je sais. Ouais, vas-y, on prend une photo. Allez, photo! Monsieur Testaburger. Bonjour. Bon sang, tu pourrais pas rester à la maison et dans les comics comme tous les autres gamins. Oh. Pop, stunt your growth, child. Do you want to grow up to be a short person? J'ai pas compris la référence. Qui existait sans doute. Je peux pas te parler? Je peux te parler? Semblerait que je puisse. Voilà. Tu dis exactement la même chose que le mec de gauche. C'est d'une tristesse sans nom. D'accord, ça c'est la sortie par là. Why not? C'est pas mal fichu. You sure are the weirdest superhero I've seen all day. Okay, I'll follow you. Il est bien ce... Je ne me rappelais pas l'avoir, le colérique comme ça. Thanks, kid. I would like to express my willingness to follow you on social media. Do you consent? Ah oui, je comprends. Ah oui, parfait. Alors, il faut faire la gueule, là, du coup, là, c'est... Oui, voilà. On est bon comme ça. Hop, là. Bon, bah, on a fait ce qu'on avait à faire ici. A meaningful and respectful relationship over social media. Ah, j'ai oublié le portefeuille ici. Ah, dommage. Bah, il fait beau. Ah, attendez, regardez, ici il y a quelque chose à casser. Rien, ce n'est pas un passage. Par contre, la poubelle là-bas, dans le fond, elle est bien ouvrable. Le titty walk. On va te des crevettes épitées au titty walk. C'est pas du racisme ce que je fais. C'est vraiment comme ça qu'il part dans la VF. Oh putain. Oh, ça va être terrible. Kid, I need to devote my full attention. Hot tip, get the city Tofu Extra City. Je l'ai vu. Cuiré. Oh. Tu m'as rendu fier en fier service en installant le système de déplacement rapide, Rudy. Tu trouveras un nouveau costume dans ton coffre à jouer. Ouais, un nouveau costume. Oh, fille Barbrady, pourquoi vous êtes là? We've got a new super sheriff in town, huh? Tout à fait. Anything for a deputy in training. Ah, il est sympa comme tout. Allez, bonheur. Ah, il y a plus de filtres qu'avant, j'ai l'impression. Enfin, de pause qu'avant, c'est cool. I'm really learning how to connect with you, youngsters. Ah. Il a toujours été gentil, Barbrady. On va prendre une photo. Ah. Bon, bah, écoute, j'aimerais acheter quelque chose. Fournaise métabolique. D'accord, ok. Flasque à pouvoir orgasmique. Ah, non! J'ai reconnu ce que c'était. City crevette ultra épicée, c'est parti, on achète ça, ça me coûte 5$. C'est stylé avec les deux épées dans le dos. Non, non, je voulais pas acheter ça, non, non. Tu m'as forcé à acheter le truc de... La bouteille qu'il ne fallait pas acheter en fait, c'est simplement ça. Je ne peux pas accepter d'avoir acheté cette bouteille, ça va me faire beaucoup de mal. Aussi ça. Hop.
Ouais, ça, bon, par contre, faut pas exagérer non plus. J'imagine que les costumes sont en création. On va aller les construire. Je vous rappelle que c'est intéressant les costumes pour augmenter notre rang de création. Enfin, de rang de créateur, marqué en haut à droite. Hop. Parfait. Et il nous faut encore... le Pissavi. Sur le toit du Skeeters. Ok, c'est pas grave. Ouais. Alors, dans le premier jeu, l'armurerie de Jimbo, c'était là où on trouvait des armes complètement pétées. Mais alors complètement. A voir si c'est toujours le cas. It's butthole. I was out last night at the Hippo and lost my wallet. If you find it, I'll give you a reward. Au Peppermint Hippo. Bah lui il veut bien au moins. Ouais. Merci Ned. Hop. C'est parti. Du coup, qu'est-ce que t'as à vendre? Dynamo Magnum. Ok. Steamy Revogan. Ah, c'est débile. J'adore ce jeu. Wouah! 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 Attendez un instant. Heureux, chers amis. Du coup, je sais plus si je les ai, achetés ou pas. Excusez-moi, hop. J'ai tout acheté, tout ce que je voulais. Parfait, c'est génial. On a moins de 4$. C'est aussi la tristesse. Mais ce n'est pas grave. Là, on peut mettre une photo de monsieur... Je sais plus comment il s'appelle. Distribuer mes cartes, ils vont faire mal. Distribuer mes cartes. Oh, man, it's butthole. Pull the trigger, kiddo. Voilà, c'est lui. Alors, je sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus. Monsieur Adams, tout à fait. D'accord, donc apparemment il me dit aussi qu'au strip club il y en a. Donc c'est cool. C'est cool qu'il me le dise. Je vois aussi ici un truc que je n'avais pas vu plus tôt. Hop là. Un coffre. Manuel d'éradication des Mongols, Mego. Génial. C'est la fête de trouver tout ça ici. C'est absolument génial. Du coup, on va aller vite fait au strip club. Histoire de récupérer. Alors voilà, j'ai envie d'aller ici aussi. Il y a un portefeuille. Ça, c'est clair. Hop. Je vais aller le récupérer, comme j'avais dit que j'allais le faire. Hop. Carte d'abonnement à PC Delta. Ok. PC Delta, PC Delta, je ne sais pas. La suite. Hop. Bonjour mesdames. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ok, on y est. C'est parti, ça faisait longtemps. Va-t-il me laisser entrer? Ah, d'accord, ok, j'ai compris. On remarquera que le videur a disparu. Cool. Peppermint Hippo, on y est. Je tue sur la démo des 5-10 ans qu'elle puisse à s'arrache. Faut-il me trouver un encart publicitaire intéressant dans un tour de l'école? D'accord. Why not? Donc, apparemment, il aurait laissé. Son portefeuille. Pas trop loin. Là. Voilà. Parfait, on l'a eu. On est trop fort. Pourquoi cette dame voulait-elle? You remind me of my grandkid. Let's do it. Pourquoi ai-je pris cette photo? That's a good one. Elle est bonne. Oui, bah la photo. Hein. Je peux pas aller sur le. Oh, je peux pas. Nul. Merde. Ah, madame. Ah, merde. Madame, non, c'était la porte. Autant pour moi. Non, c'est pas ça, je voulais parler au monsieur, moi. Cool. Ça me fait des gens en plus, mais par contre, faut vraiment que je fasse cette gueule-là, quoi. Daryl Withers. Je me rappelle plus de tout le monde, hein. Influenceur. Tant mieux.
Ça correspond tout à fait à qui je suis. Sinon. Oui. Alright kid, this drink isn't bad and now you're taking a selfie with the DJ at the strip club. Cool. Au moins il est sympa, il accepte. Allez, parce qu'il est stylé, DJ Hippo. Nouveau follower. Alright, nice work, no hard feelings about that assy drink you gave me. Be sure to tip your waitresses later, kid. Voilà, d'accord, je voulais juste voir s'il y avait une icône spéciale pour dire que c'était fait. Apparemment non. Bonjour, est-ce que tu veux bien faire un... Hein. Parfait, génial. Je fais une petite séquence de photos, là c'est cool. Hop là. On va mettre un petit filtre. Des familles. On va mettre ça, hop là. Parfait. J'ai pas eu son... J'avais dit déjà le faire alors. J'avais dû déjà le faire vu que j'ai pas eu son nouveau follower, vous savez, c'était pas marqué. On remarquera qu'ici c'est complètement fermé, bon bah pourquoi pas. Après notre passage, ils ont fermé la zone, c'est cool. Bon bah, on a plutôt que des bonnes nouvelles. Et ok, tout ça j'ai fait normalement. Ouais, d'accord, alors le caca dans l'urinoir on peut pas le faire. Ça je l'ai fait, donc on est bon. On est censé être bon, ok cool. Du coup, si je veux sortir, c'est ici, puis là. Ok, on est bon. Bon, ça se passe bien. Du coup, on va rendre son portefeuille à Jimbo. Hein. Le pauvre Jimbo, il claque du fric hein, dans ces filles-là. Hein. Faut dire ce qui est. Hein. Alors, question. Non, ça ne l'a pas. Excusez-moi, madame. Alors, il faut absolument que j'accomplisse toute la série d'événements. Oh, bah oui, je suis con. Regardez. Ça doit tout simplement être ça. Là, elle est revenue sur le haut. Enfin, elle est revenue au-dessus. Là, de là. Je fais ça. Et là, ça s'ouvre. Et là, ça libère. Ok, cool. Bouton, le pays part à volo. D'accord. Ok, why not. Alors, je me rappelle pas toutes les références. De toute façon, je pense que c'est quasi impossible de toutes les avoir hein, en mémoire. Mais je pense que je vais me les refaire. Au moins les 15 premières saisons. Vu que je les ai en DVD. Mais je pense que je vais me les refaire. Ça fait tellement bien de les regarder en plus. C'est fou. Jimbo. Listen here, Vigilante. If you're ever in trouble, you give me a net a holler and we'll. Invocation! Oui! Ça, c'est de l'invocation! Allez, vas-y, fais péter! Farting Patriot! Ouais, copain pour la vie! Merci, Jimbo! Faudra qu'on aille chasser ensemble, un de ces quatre! Je chasse pas en vrai, hein, je vous rassure. Même si... Enfin, moi, je suis plus pour la bonne bouffe de la chasse. Entre guillemets. Voilà, on y... Ah oui, exact, on n'a pas... Oui, puis on n'a pas été chercher le... ici. Merci, Savetsky, tu me... rappelles bien des choses. Correspondance trouvée. Copain. Copain. Merde, il faut aller là-haut, ok. C'est pas grave. Du coup, est-ce que je peux rentrer là? Oui, je peux. Est-ce qu'on a quelque chose à aller choper à droite, à gauche? On a un petit sac. Bonjour. Adult tutoring. I don't Tout à fait. Well, thanks, kid. Okay. Hey, you're that super stinker in the headlines. I don't take kindly to folks who take selfies, but let's take one anyway. Parce qu'il est quand il fait la gueule là, voilà. Hop, oui. J'en regarde d'ailleurs. Génial. Absolument génial. Ok, bah tiens, prends cette carte alors. I'm thinking geometry. Sure, you gave me a lead on some hot tutoring. Oui, bah, si tu veux, y a pas de souci. Et je m'en doutais que ça. Par cette tête là, ce serait pas plus mal. Ça lui plairait, pardon. Thanks, bonjour. Kid. Farmer's Almanac calls for rain next week.
Guess we'll see. Je rêve où tous les clients de la mère à Cartman, je les trouve dans un bar. I could use a little refresh, of course. Miss Cartman's working again? Well, well, well. Il doit y avoir une utilité. Oh. Remember when Superman movies weren't so depressing? Oh yeah, I remember. Oh, I remember. Remember when Batman's batsuit had nipples? Of course I remember. Gee, could that be... Attendez, on va regarder s'il n'y a pas un truc qui nécessite d'aller plus haut. Apparemment non. Bon bah continuons alors, hein. Pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Là, on a des sixièmes qui veulent se battre, mais c'est pas extrêmement intéressant pour nous. On aura fait un épisode sans combat. Ce sera intéressant, hein. Ça montre que c'est pas... Pourquoi il est rouge? D'accord, parce qu'il y a un combat dans la zone. Aïe, je me suis fait taper. Je me suis fait taper. Vengeance! Il y a bien un qui va être malade. Eh, il n'y a pas un seul qui va être malade. Cool. Génial. J'adore. Quoi? Wouah! Boum! Mais c'est génial! S'ils disent de la merde, ça les interrompt! Mais c'est absolument génial! Allez! Cartman, tu vas au casse-pipe. Désolé. Il va prendre tellement cher, Cartman. Non, même pas, cool. Alors, vous m'avez dit qu'il fallait que je bourre un peu plus le double tour. On va donc bourrer un peu plus le double tour. C'est parti. Non. Hop là. Ah ! Mangez dans vos dents. Deuxième couche. Well done, butthole. Merci. For fourthy scum, you guys are kind of scrappy. Took that like. Fait mal, ça dit donc la vache. Who to torment? I choose you. Du coup, Captain Diabète, t'as quoi? Peut-être que si je te fais faire ça, ça repousse loin ou pas? Non, ça repousse pas. Je croyais que ça repoussait. Merde. J'ai fait une connerie. Bon, on va pouvoir arranger ça quand même, c'est pas grave. On va l'envoyer sur notre ami Captain Diabète. Vas-y, renvoie-le, merci, c'est fini. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Il va m'envoyer un ballon. Oh merde. Je suis désolé, Captain Diabète. J'ai tout intérêt à le buter lui, il aura pas son tour. J'ai pas eu le dernier coup, dommage. 1, 2, 3, pourtant ça doit être tout simple. Je vais me mettre là. Vas-y! Frappe, Captain Diabète! Bien joué. Hop! Ah, je l'ai loupé! Ok, parfait. Dégage de mon chemin! Ah bah alors! Non, ça doit être dégueulasse. Ok, c'est pas grave, de toute façon tu vas payer. Oh merde, j'ai passé le tour. Bon bah tu vas pas payer tant que ça alors finalement. Bon bah je passe. Et c'est moi qui vais te faire payer! Ah, trop de puissance en moi! Et des tas de bonnes choses. Ça fait un petit peu... Bon, je sais pas pourquoi ça me fait un petit peu penser au Super Nana, moi, je sais pas pourquoi, c'est... C'est quand même hyper méga stylé, quoi, faut reconnaître. Hop là, dégage! Ah, c'est parce que je suis au milieu, d'accord, bah écoute, why not. Hop, passe ton tour du coup, hop, c'est parfait. Oh, t'es ralenti, mon pauvre petit. Ah aussi, tu vas prendre des dégâts, ouais, voilà. Voilà.
Voilà, ça y est, je l'ai eu. C'est 1, 2, 3, c'est très très simple en fait. Ok, bah on est trop fort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Surprend 5 microagressions qu'on a combat. Génial, absolument génial, j'adore. J'adore ce jeu. Voilà, et donc comme il n'y a plus de menace, je peux utiliser la proute mobile. D'accord, c'est la menace qui m'empêche d'appeler mon copain. Why not? C'est parti! Bonjour. Créez-le nouveau, comme je t'ai appris à le faire. Morgan! Bonjour. Oui, j'ai trouvé. Merci, c'est sympa, t'es un mec cool. Allez, on en profite, c'est un mec cool. Hop là! Merci Simon. C'est marrant, je connais aussi un Simon blanc, c'est marrant. Enfin, blond, pardon. Blanc et blond, oui, y'a pas de soucis. Ah, je peux pousser, je peux pousser, je peux pousser, je peux pousser. Ah ouais! Je vois ce qu'il faut que je fasse. Aha. Kaboom! Ah! Espérons qu'il y avait personne en dessous. Oh bah j'ai le pizza. Aussi dégueulasse que ça puisse paraître, il est pas loin. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop là. Oui! Ah bah, un seul prout pour passer, c'est la classe! Hop. Et ici nous avons la tenue Amazon, brassard d'Amazon et bandeau d'Amazon. Ça nous fait une grosse référence à notre ami Wonder Woman, dont le film est pas aussi bien, je trouve, que ce que je pensais. Tout le monde en a fait une. Oh mon dieu, c'est trop bien, mais en fait, non, c'est... ils sont juste trompés sur les. Enfin, j'ai envie de dire, ils sont trompés sur les sexes, c'est pas vraiment ce que je veux dire comme ça. Ce que je veux dire, moi. Bon bref, ce que je veux dire moi, c'est qu'en fait ils ont juste interverti les sexes des personnages. J'en ai parlé un petit peu autour de moi. Par exemple, la première chose que fait Crispin en arrivant avec Wonder Woman à Londres, c'est qu'il l'emmène chez son propre tailleur. C'est une version, alors, je dis pas que les femmes sont comme ça. Hein. Ce que je dis juste, c'est que c'est la version cinématisée des femmes qui est montrée comme ça tout le temps dans tous les films. Elles ont toutes leur propre tailleur, leur propre machin, leur truc bidule. Et voilà, donc en fait pour moi c'est seulement ça. Enfin bon, c'est pas extrêmement important. Saut cinétique, j'en ai déjà un, parfait. Ok, cool. Du coup, j'ai quand même oublié le plus important. C'est parti. Ha! On l'a créé, il ne reste plus qu'à retourner chez nous. Au bon endroit. Alors peut-être que je peux aller plus vite en me téléportant. Salut! I'm the fastest kid in town. Ok, en passant par là, je peux peut-être grapper un petit peu de temps, Mais moi, chers amis, du coup, je vous laisse là pour cet épisode. Merci de l'avoir laissé, Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo!